Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Valérie Durier, on reviendra dans quelques instants sur votre parcours à la télévision et à la radio. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'écrire une nouvelle page de votre vie en ouvrant deux cabinets de psychothérapie. Vous avez d'ailleurs récemment suivi des études de praticien en hypnose thérapeutique. Vous avez aussi un site, si nos auditeurs sont intéressés. Ça s'appelle valeriedurierhypnose.com. C'est vrai que j'aimerais d'abord qu'on rappelle la différence entre cette hypnose de spectacle et celle que vous pratiquez. Oui, alors c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que déjà celle de mes mais il l'explique lui-même d'ailleurs souvent dans les émissions, elle est très profonde, très rapide, elle sert à rien, elle est très ludique, mais c'est déjà pas mal, elle sert à s'amuser, mais on n'a pas un objectif thérapeutique précis, et vu que la personne généralement perd un peu conscience et s'endort, on n'a pas les moyens de travailler sur un changement. Donc nous on travaille vraiment en surface très légère, mais on arrive avec un objectif précis, quelque chose qu'on veut changer, quelque chose qui nous gêne dans le quotidien et qu'on veut mettre en place. Et c'est vrai que pendant 4 ans sur Europe 1, vous aviez animé... Oui, ça sort pas nulle part. C'est, vrai, c'est ce que vous avez animé une émission quotidienne. Donc évidemment, vous n'aurez pas cette question-là dans l'interview. Oh, c'est dommage, je savais. De 2 heures sur des questions de société, psychologie. Évidemment, ça doit venir de là. Je pense que de ce que j'ai fait en radio et en télé, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et c'est là que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien dans une autre vie creuser un peu ce domaine-là, en fait. Et vous avez eu des doutes, peut-être, à vous dire, est-ce que je franchis le pas à ouvrir des cabinets? D'abord, je suis pas partie en formation d'hypnose avec l'idée d'ouvrir un cabinet. Ah oui, c'est venu après. Je suis partie par curiosité intellectuelle pour repartir un peu dans les domaines de la psycho et puis par curiosité parce que l'hypnose, on en parlait beaucoup et je voulais voir de quoi il s'agissait, comment était l'outil, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et en fait, je me suis prise au jeu et j'ai eu du mal à m'en ressortir. Et aujourd'hui, peut-être une émission vraiment hypnose. Alors, une émission hypnose, c'est difficile, mais en fait, ça nous ramène de toute façon à la psycho. Simplement, la psycho, un peu moins comme on l'a fait jusqu'à présent. Et un peu plus, si vous voulez, on va plus directement sur comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on va mieux, qu'est-ce qu'on met en place, plutôt que décortiquer sur d'où ça vient, le fait qu'on va pas bien, qu'est-ce qu'on traîne, depuis combien de temps. C'est une autre approche de la psycho, mais ça reste de la psycho. Vous, évidemment, c'est la radio que vous aimez avant tout. Ouais, c'est la radio. Ouais. Merci d'ailleurs. Tu m'as récréé ce soir. Attends, tu me changes de voix. C'est juste ça que j'aime bien. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.